Une foule venue réclamer la libération de Mikhaïl Saakachvili. L'opposant au pouvoir ukrainien a été arrêté samedi à Kiev et depuis, il est en grève de la faim. L'ancien président géorgien, devenu farouche adversaire politique du président Porochenko, accuse Porochenko d'avoir échoué dans sa lutte contre la corruption et nombreux sont ceux qui pensent comme lui. Nous demandons au gouvernement d'arrêter ces actes illégaux en ce qui concerne non seulement Saakachvili, mais nous tous, l'ensemble de l'Ukraine et tous les Ukrainiens. Ils nous ont conduits à la folie. Mikhaïl Saakachvili a humilié le pouvoir mardi dernier. Ses partisans avaient empêché son arrestation et cela n'avait pas entamé sa détermination, car il a passé ses derniers jours à réclamer publiquement le départ de Porochenko. Nous devons montrer au président Porochenko que la politique ce n'est pas du business et que les gens ne sont pas des marchandises. En 2015, Porochenko avait nommé Mikhaïl Saakachvili gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa. Mais par la suite, les relations entre les deux hommes se sont gâtées. L'ex-président géorgien est également recherché par la justice de son pays pour abus de pouvoir.